Thank you.
Je vais chercher la gloire et la gloire à sa naissance à l'ennemi. Le premier, il fait brave au fond de l'année. Je l'ai combattu pour mon pays. Et si lui, Dieu me la perd, j'enverrai sur toi finalement. Oh,
tua salute rifiorirà.
maigre, mais ne doute jamais de mon amour. Oh, ne doute jamais, jamais de mon amour. Innocent Hamlet, cet amour même ne pouvait vous retenir. Songez, vous me fuyez. Si vous m'aimiez autant que je vous aime. Oh, je ne te fuyais pas, je fuyais la constance humaine. Ton image calme et sereine nuit dans ma solitude accompagnée.
senza fiato, ora puoi andar contento. Guarda, guarda il mio talento, che bel conto seppe far. Quale trionfo, qual trionfo inaspettato. M'è felice, o bel momento. Ad amore
senza fiato, senza fiato. Ora muoio dal contento, dal contento. Guarda, 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 guarda il mio talento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Mio signor, no, fuori, ma io. Non più è mio, il bel nome di mia sposa, idol mio tra femmeggia. Il bel nome di tua sposa, a cui gioia dormita. Sei contenta? Oh mio signore, oh mio signore.
Ложись я спать, Любаша.
кинешь. Я рог не велочам, не будь сего, ты верно полюбил сердца другую. Оставь ее. Thank you.
Perché batte, batte, batte qui? Che vuoi balza, balza, balzare? Perché batte, 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 batte qui?
coquetta, t'intendo furbetta. Che fai? Non guardar. Nel petto. Thank you.
ученицы. И заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. И память сюда поэта поглотит медная лета, забудет мир меня, но драни уринай и тума, он меня любил, он мне единой посвятил, разве печальный жизни буринай, ах, Ольга, я тебя любил, тебе посвятил, рассвет печальный жизни бури рай, ах, Ольга, я тебя сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди. Я жду тебя, желанный.
Raso di pettine, lancia di forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancia di forbici, raso di pettine al mio comando, tutto qui sta. Vero di sorsa, poi del mestiere, quella donnetta col cavaliere, quella donnetta, la donna davvero, col cavaliere, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, o alla parrucca, presto la barba, o alla sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, o alla parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, 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 ahimè, che voglia, ahimè, che voglia, uno alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. Figaro, sono qua. Ehi, Figaro! Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto bratissimo, sono come il fulmine, sono il fracato della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, sono attaccato della città, sono attaccato della città, della città.
Le Chevalier à la Rose pour terminer cet opéra imaginaire. Alors le jury va maintenant se retirer pour délibérer. Il viendra ensuite nous rejoindre ici sur scène. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, Béatrice. On a envie encore de les entendre, nos 9 finalistes, non ? On ne va pas se quitter comme ça. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Mais avant cela, nous allons accueillir notre marraine, Julie Fuchs. Julie, on se rapproche, hein, c'est pas... on garde quand même une certaine distance, mais voilà. On se rapproche, voilà. Bon, chère Julie, tu as été lauréate en 2010, tu connais donc bien ce concours, nous sommes en 22. 12 ans se sont écoulés pendant lesquels tu as mené et tu mènes une carrière brillante. Tu fais aujourd'hui partie des grandes chanteuses internationales qui sillonnent le monde. J'imagine que ce concours de Paris Opéra Compétition a joué un rôle important pour toi. Et on aimerait certainement on que, plus. Tu en, voilà, que tu nous en dises deux mots. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là et d'avoir entendu ces magnifiques chanteurs qui nous donnent confiance en l'avenir de l'opéra, je dois dire. En 2010, il y a une vie, ce que ce concours m'a apporté concrètement, c'est d'abord des concerts, des contrats. J'ai reçu le prix d'Opéra français, donc en cela j'ai une tournée qui allait avec. Donc ça, quand on est jeune chanteur, c'est très important, c'est du concret. Et aussi quelque chose que ça m'a apporté et qui est important, les concours n'apportent pas seulement des prix ou de la reconnaissance, mais aussi une meilleure connaissance de soi-même en tant qu'artiste, en tant que chanteur. Donc ça m'a permis de peaufiner mon répertoire, par exemple, de me rendre compte ce qui m'allait bien, avec le trac, sans le trac. Je pense que certains membres du jury ont dû m'entendre dans un mauvais répertoire à cette époque-là, d'ailleurs. Donc voilà, c'est aussi ça l'expérience du concours. Et puis de rencontrer des collègues et de chanter avec eux. Et ce qui est le cas ce soir notamment, oui, qui est très important et très beau dans ce concours, oui, c'est qu'on chante avec d'autres c'est chanteurs. Ça. On n'a pas l'impression qu'ils sont en concurrence. Voilà. On les voit en coulisses, ils sont heureux, ils s'écoutent, ils sont là, ils dansent ensemble. On a du mal à imaginer qu'ils sont effectivement concurrents. C'est ça qui est... Ce qui est le cœur de notre métier quand même, de chanter avec des gens. C'est le plus important. Et Julie, moi j'aurais une question là. Dans quelques instants, on va connaître le lauréat. Il y a 4 prix. En 2010, dans quel état d'esprit on est à quelques minutes comme ça du résultat ? Oh ben ça dépend de chacun. J'ai l'impression qu'en plus, eux, ils sont très différents. C'est très beau à voir. Moi, j'étais très contente d'expérimenter. Je vivais ça comme une expérience. Je pense que c'est ce qu'ils font aussi. Ils ont bien raison. Un peu le trac, parce qu'on se dit on n'a pas fait tous ces efforts pour retourner bredouille. Et moi, j'étais surtout curieuse des retours des professionnels, voilà, de pouvoir m'enrichir de leurs conseils. Alors ça, c'est une question que j'ai envie de poser à vous deux. On les a écoutés, c'est un petit peu cet opéra imaginaire. Moi, j'aime bien cette formule. Pour nous, c'était tout à fait intéressant de les entendre dans différents rôles. Mais pour un chanteur, j'imagine qu'au sein d'une même soirée, comme ça, passer d'un style à un autre dans l'immédiat, c'est ce qui est le plus difficile. D'une vocalité, d'une langue différente, d'une émotion aussi différente. Ça c'est vraiment... une expérience pas facile, en fait, pour un concours comme ça. Oui, mais qui peut permettre justement d'exprimer plein de choses différentes. Et c'est une chance qu'il faut saisir. Et je trouve qu'ils l'ont magnifiquement saisi. Et quel conseil vous pourriez leur donner ? Non, mais une carrière qui se construit aussi sur la durée, c'est le choix d'un répertoire. Il faut savoir choisir des rôles, parfois dire non aussi, peut-être, non ? Oh oui, mais ça, c'est très difficile. Ouais. C'est très, très difficile. C'est souvent mal pris, parce que pas toujours compris. Mais je crois que... Elle s'enregistre en même temps. Moi, je pense que c'est Rossini qui vous appelle, parce qu'il va être temps, effectivement, de l'italienne à Alger. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir, Julie. Thank you.
Eh bien, bravo aux 9 candidats. Le choix va être difficile. J'aimerais pas être membre du jury. Hein? Non. Ils sont fantastiques. Ils sont fantastiques. Ouais. Voilà. Ah. Ils sont beaux. Hein? Alors, nous allons maintenant pouvoir appeler le jury. Nous commençons par Monsieur Michel Franck, directeur général du Théâtre des Champs-Élysées, président du jury de Paris Opéra Compétition 2022. Anne Solveig-Blanchard, qui est la directrice artistique du Festival international d'opéra baroque et romantique de Beaune. Julien Benamou, administrateur artistique du Festival d'Aix-en-Provence, conseiller artistique de l'Instant Lyrique. Sophie Joyce, absolument. Directrice du casting, directrice de casting de l'Opéra National de Paris. Alors, John Fioret, chef d'orchestre. Damien Carbonel-Nicolaou, directeur du casting de l'Opéra National des Pays-Bas. Eric Malmquist, directeur du casting du Staatsoper de Munich. Richard Marté, qui est le rédacteur en chef d'Opéra Magazine. Laurent Pelli, metteur en scène. Matthias Schulz. Directeur général du Berlin Staatsoper. Éric Vigier, metteur en scène et directeur de l'Opéra de Lausanne. Alain Lanceron, le président de Warner Classics Ederato. Ludmila Talikova, directrice du département d'opéra du Bolchoï. Et pour terminer, Eva Maria Wieser, qui est la directrice de casting du Festival de Salzbourg et casting consultant pour l'Opéra de Chicago. Le jury est au complet. Et nous allons maintenant appeler sur scène les candidates et les candidates. On va commencer avec la soprano Serena Sens Molinero. Denise Ouzoum, mezzo-soprano, Allemagne. Le baryton Luc Scott. Georges Virban, ténor, Roumanie. La soprano Maria Brea. La mezzo-soprano Anna Harvey. Le baryton William Desbiens. La soprano Maria Carla Pinocuri. Et la mezzo-soprano Etage Chicalizada.
Et maintenant, j'appelle également Maître Béatrice Desagneaux, car le concours s'est déroulé évidemment sous contrôle d'huissier. Maître Desagneaux, avec les précieuses enveloppes. Nous appelons également Jérôme Angot, directeur artistique du concours Paris Opéra Compétition, accompagné par Nicolas Bossière, secrétaire général de Paris Opéra Compétition. Béatrice, cher public, voilà maintenant l'heure de la proclamation des résultats et nous allons commencer par le prix que vous avez décerné, le prix du public, qui va être remis par Jean-Marc Vallot du cabinet d'avocats BG Devey. Le prix du public BG Devey Avocat est décerné à Serena Sainz Molinero. Nous appelons Nicolas Opperman Labourdette, présidente du Paris Opéra Compétition, pour remettre le troisième prix qui porte son nom. Le troisième prix est pour Serena Sainz Molinero également. Bravo. Voilà, Serena, je suis très fière de te remettre ce prix et j'espère que tu feras une très belle carrière, que tu auras commencé à gagner. On peut l'applaudir effectivement, deux prix. Bravo. Et voici maintenant le deuxième prix, qui est le prix Claude Dassault, qui va être remis par Marie-Hélène Haber-Dassault, qui est la présidente du conseil de surveillance du groupe Dassault et qui est directrice du mécénat. Alors, le deuxième prix, Claude Dassault, est attribué à Aïtaï Chikanalizada. Je vais juste dire un petit mot. Je suis très heureuse avec ce soir mon mari et mon frère Laurent qui est présent. De vous remettre ce prix, vous nous avez vraiment enchantés, fait rêver, c'était vraiment merveilleux. Mon oncle aurait adoré vous entendre, il était fou amoureux de l'opéra. Merci beaucoup. J'espère que ce prix vous portera chance et qu'il vous emmènera très loin et très haut. Merci. Et enfin, le premier prix, Pierre Verne, remis par Madame Pierre Verne et Julie Fuchs, qui porte le trophée Amadeus. Je suis très émue de remettre ce soir le premier prix Pierre Verne au nom du groupe Dassault. Nos familles sont liées depuis plusieurs générations et c'est un cadeau pour moi de m'offrir cette possibilité de remettre ce prix. Voilà. La gagnante du premier prix Pierre Verne est Anna Harvey. Belle carrière, et la robe vous va très bien aussi, hein. Vous avez bien fait de mettre une robe. Bravo. Bravo. Voilà, je crois qu'on peut applaudir à nouveau les neuf candidats parce qu'ils ont tous été formidables. Et ils nous ont vraiment enchantés ce soir. Je crois qu'on peut à nouveau les applaudir.
Merci aux candidats, à l'orchestre Prométhée, ainsi qu'à son chef Pierre-Michel Durand. Merci voilà. À tous. Merci aussi, bien sûr, à l'ensemble de Paris Opéra Compétition pour cette très belle soirée. Et puis merci à vous, public. Cher public. À très bientôt. Bonne soirée.